Je suis Tchernomarkana Diallo, superviseur au braillage, département 2202. Euh, je suis là pour lire le portrait de carrière de, de lauréat 2022 au sein de mon département, qui est M. Diallo Alpha Suleiman, matricule 2202-1157. Monsieur Diallo Alpha Suleiman est né à Labé en 1984. Il est diplômé de CAP, opérateur minier, à Bouquet. Il a été embauché à CBG le 2 février 2015 en qualité d'opérateur, au même département. Il s'est distingué au courant de l'année 2022 dans les opérations au braillage en sauvant des situations très critiques, notamment en janvier 2022. Il a arrêté le culbitage des wagons à cause d'un caille desserré sur le tippler qui pouvait tomber dans la trémie de réception du produit et qui pouvait déchirer la bande du convoyeur CV301. Le coût allait être 1 582 955 dollars avec un manque à gagner estimé à 580 wagons soit environ 55 000 tonnes de bauxite. En avril 2022, son pendant son inspection, il a trouvé que le racleur oblique à la queue du convoi RCV301 est coupé en deux. Et il usait sérieusement le tapis. Cela pouvait entraîner aussi une déchirure de la bande. Le coût allait s'élever à 1 582 955 avec un arrêt de 36 heures. Pour le remplacement de la bande et cela allait nous occasionner manque à gagner minimum de 1308 wagons soit 17256 tonnes de bauxite en septembre 2022 toujours pendant son inspection il a trouvé un gros métal coincé au niveau du déferrailleur qui pouvait potentiellement déchirer la bande aussi du convoyeur CV301, dont le coût de réparation serait énorme avec un manque à gagner de 545 wagons minimum, soit 45 000 tonnes de bauxite et un potentiel de dégâts sur le déferrailleur En octobre 2022, il a arrêté le culbitage à cause d'un gros bloc aussi qui est tombé entre les rails du tipler qui pouvait occasionner un déraillement de wagons ou de locomotives. Et le mouvement d'arraillement allait prendre 3 heures ou 4 heures de temps d'intervention. Et cela allait faire perdre 173 wagons, correspondant à 14 186 tonnes de bauxite environ. Donc, au courant de 2022, M. Diallo Alpha Suleiman s'est donné à fond pour le débourrage du convoyeur CV301. Il a remplacé aussi les opérateurs des roupelles à chaque fois que le besoin s'est manifesté. M. Diallo Alpha Suleiman est un opérateur polyvalent, disponible, soucié de relever les défis relatifs aux tâches qui lui sont assignées. Je vous remercie.